On va chercher une autre insertion intérieure, supérieure. Après un bon échauffement, Thibaut Vion est fin prêt pour attaquer sa séance. Au programme aujourd'hui, mobilité, travail d'appui, puissance et renforcement musculaire. Le joueur de Niort travaille depuis maintenant 3 ans avec Théo Chiche, préparateur physique basé à Sichazel. À quelques semaines du début de la préparation estivale, l'objectif pour l'ancien Messin est d'arriver en forme à la reprise. Je trouve que c'est important pour un joueur professionnel, sachant qu'on est amené à être un mois en vacances avant de reprendre la préparation d'été, et il ne faut pas qu'on reste à rien faire. Déjà, le meilleur ressenti, c'est que quand j'arrive dans mon club pour reprendre le chemin de l'entraînement, je ne suis pas resté à rien faire. Donc forcément, c'est un plus, je ne repars pas de zéro. Yes, 2, 3, allez, go. Particularité cette saison, le confinement, plus de 2 mois sans véritablement s'entraîner, c'est une éternité pour un footballeur professionnel. Le confinement, il a eu un gros impact par rapport à la préparation de chaque joueur, je pense, parce qu'on récupère des joueurs, on ne sait pas dans quel état ils sont. On a besoin de tout retravailler, d'autant plus pour un joueur de foot professionnel comme ça. Il faut retravailler donc les changements de direction, les changements de rythme, etc. pour lui permettre en fait d'arriver en forme optimale à la reprise et éviter de se blesser. Il y a un risque de blessure qui est beaucoup plus important du fait qu'ils sont restés inactifs pendant une longue période. Donc c'est vraiment, les séances doivent être encore plus individualisées que d'habitude, quoi. Allez, c'est parti. Yes, excellent. Aujourd'hui, arrière latéral, les exigences sont nouvelles pour le numéro 14, lui qui évoluait il y a encore quelques mois au poste d'attaquant. Son quotidien sur le terrain désormais, faire les allers-retours dans son couloir. C'est excellent ça. Sa préparation est donc adaptée à son nouveau poste. Yes, et tu me fais l'autre côté et on est bon. Chaque poste demande des qualités différentes. En l'occurrence, pour Thibaut Vion, là, il est arrière latéral. On lui demande d'être capable de répéter les efforts tout au long d'un match. On lui demande d'être explosif sur les appuis pour attraper un attaquant. On lui demande beaucoup d'efforts intenses et beaucoup d'endurance. C'est le meilleur moment de la séance. En fin de contrat, le 30 juin prochain, Thibaut Vion aura disputé 82 matchs avec les Chamois Niortais en l'espace de 3 saisons. Champion du monde des moins de 20 ans en 2013 avec la génération Pogba, Umtiti et Thauvin, l'ancien joueur du FC Porto se tient prêt physiquement pour relever un nouveau défi à l'aube de ses 27 ans. Vas-y, à demain. Ciao.